Alors, dans notre dernière vidéo sur la facturation, il faut terminer ce petit calcul de bas de facture. Donc, nous avions calculé le total hors taxe et on veut calculer maintenant la remise client. En fait, dans notre fichier client, on a des remises spéciales pour certains clients. Donc, pour faire cela, pour trouver donc la bonne remise en fonction du bon client, on a déjà vu de nombreuses fois la fonction recherche V qui permet de le faire. On va faire égal recherche V, ouvrez la parenthèse. La valeur cherchée, c'est le code client qui se trouve ici. Point virgule, je vais sélectionner mon tableau client sans les titres. Point virgule, je vais renseigner le no index call, c'est-à-dire le numéro de la colonne. C'est la 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neuvième colonne, point virgule, toujours une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse, je valide, et donc il y a 5% de remise, je mets au format pourcentage, avec deux chiffres après la virgule, pour le client cuir. Alors attention, hein, notre exemple de départ, c'était le client bazar. Le client bazar, lui, n'a pas de remise. On vérifie, le client bazar n'a pas de remise spéciale alors que le client cuir avait 5%. Donc ça marche très bien. Le net hors taxe. Alors là, un petit calcul tout simple. Le net hors taxe, c'est le total hors taxe moins le montant de la remise. Alors là, je m'aperçois que j'ai mis le taux de remise. Donc ça va pas. Ce que je veux, ce n'est pas le taux de remise, mais c'est le montant de la remise. Donc, je vais revenir sur ma formule. Ça me donne le taux de remise. Je vais donc le multiplier par le total hors taxe. Multiplier par total hors taxe, ce qui me donnera un montant en euros, si je le transforme, de 0 euros, puisque j'ai 0% de remise. Le net hors taxe, c'est 1386 moins le montant de la remise, donc moins rien du tout, qui va me permettre de garder le même montant. Et je vais maintenant m'intéresser aux frais de port. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'en fait, les frais de port, si on va dans la feuille Autres renseignements, on a ce tableau de remise. Donc les frais de port dépendent en fait du code client, du code métier, donc bou, colle, dis, div, et en même temps du montant de la commande. Donc là, on voit que 3 000 à 5 000, on a tel taux, de là, on a tel taux, là, on a tel taux, etc. En plus, il manque les pourcentages. Et puis, enfin, dernier point, il manque une tranche, puisqu'on me dit qu'au-delà de 5 000 euros, les ventes se font franco de port. Alors déjà, je vais la rajouter, moins de 1 000, 1 000 à 1 500, 1 500 à 3 000, 3 000 à 5 000. Hop, je vais faire une insertion de ligne, et je vais mettre 5 000 et plus. Alors, 5 000 et plus, ça se traduit simplement par 5 000. Et là, on a franco de port, donc c'est 0 euros. Alors, ce n'est pas des pourcents, c'est des euros, hein. Donc, 0 euros, 0 euros, 0 euros et 0 euros. De 3 000 jusqu'à 5 000, en fait, ça, c'est du texte, il ne va pas le comprendre. Donc, la fonction Excel, la fonction index-équive, hein, vous avez compris que ça allait être de l'index-équive, il va en fait, prendre la valeur inférieure, donc on va mettre 3 000. Et en fait, il va comprendre que de 3 000 jusqu'à 4999,99999, on est sur cette ligne-là. De la même manière, de 1 500 à 3 000, on va mettre la valeur inférieure, 1 500. Ici, de 1 000 à 1 500 aussi, on va mettre 1 000. Et ici, moins de 1 000, on va mettre la valeur minimale, c'est-à-dire 0. Là, cette ligne-là, je l'ai rajoutée, donc je peux la supprimer. Donc, on a un tableau maintenant qui convient, sauf que habituellement, les tableaux sont du plus petit au plus grand. Donc, on va ici refaire un tri du plus petit au plus grand sur cette colonne, ce qui permet de retourner le tableau. Et là, j'ai un tableau qui va fonctionner avec une fonction index-équive, classique, comme on l'a fait tout à l'heure avec le tableau des remises. On va tester cela de nouveau. Donc, les frais de port. Ici, je suis avec un client
qui est de type div et dont le montant de la commande est 2300. Donc en fait, je vais utiliser la fonction index, ouvrez la parenthèse. Le tableau, il est ici. Et je vais faire le reste à la main. Donc on a dit que c'était un client de type div, donc 1, 2, 3, 4 pour la colonne. Et au niveau de la ligne, on a 1300. Donc on a dit que de 0 à 1000, c'est cette ligne. De 1000 à 1500, c'est celle-ci. Donc en fait, il va falloir renvoyer la deuxième ligne. Donc on va mettre point virgule 2, point virgule 1, 2, 3, 4. Fermez la parenthèse, valider. Donc là, il me dit que les frais de port pour Bazar sont de 90 euros. Alors maintenant, on va essayer d'automatiser cela. Donc il faut qu'il trouve tout seul le 4 et tout seul le 3. Je vais commencer là aussi par ce qui est le plus simple. C'est ce qu'on a déjà fait tout à l'heure, c'est-à-dire comment on fait pour trouver la quatrième colonne pour un client de type div. Alors, je vais me mettre à la place du 4. Hop. Et on a dit que c'était la fonction équive qui me permettait de dire je vais chercher cette valeur là, point virgule, dans ce tableau de recherche, son segment qui est ici. Je ferme la parenthèse et je valide. Il me trouve toujours 90, donc pour l'instant ça marche. Je ne vais pas mettre de dollars parce qu'en fait, je ne vais ni tirer vers le bas cette cellule, ni vers la droite. Donc, je ne vais pas utiliser de point de recopie. On va maintenant s'intéresser à l'autre valeur, qui est le fameux 1386. Donc, on va là aussi mettre un équive, là où il y avait le 2. Je supprime le 2 et je vais écrire équive, ouvrez la parenthèse, je cherche cette valeur, point virgule, dans ce tableau de recherche. Fermez la parenthèse. Et il me conserve bien 90 euros. Donc on va essayer de refaire un test. On va toujours vérifier que ça marche. Donc je reprends l'entreprise cuir. Elle est de type bout pour un montant de 1067. Donc on va vite voir. Bout est ici. 1000 à 1500, c'est ici, donc 75 euros. On vient sur facture et on a bien 75 euros. Donc ça fonctionne. Il me reste juste à mettre ça en euros pour avoir quelque chose de correct. La TVA. Alors le calcul de la TVA est extrêmement simple puisque le taux de TVA est à 20%. Donc je vais faire simplement égal. Ouvrez la parenthèse. Le net commercial, le net hors taxe. Plus les frais de port qui sont assujettis à un taux de TVA multiplié par 20%. Ça va me donner 217,86 €. Alors là, j'ai fait quelque chose qui n'était pas très bien parce que le 20%, je l'ai rentré. Donc, le jour où l'État va passer à 21%, il va falloir revenir dans la formule, faire la modification. Donc il aurait été beaucoup plus propre d'écrire ici taux de TVA, deux points, l'aligner à droite, mettre ici 20%, et ici, au lieu d'écrire multiplié par 20%, on va le multiplier par cette cellule-là. Ça donne le même résultat, mais c'est beaucoup plus propre. Parce que le jour où la TVA passe à 21%, j'écris 21 ici, et ça se met à jour. Je reviens à 20%, et ça m'évite d'avoir à revenir dans les formules de calcul. Enfin, dernière chose, calcul du montant TTC. Le montant TTC, il est égal au net hors taxe, plus les frais de port, plus le taux de TVA. Ce qui me donne 1307,38. Voilà, donc mon exercice semble à peu près terminé, sauf que je vais quand même rajouter encore une ou deux options. Ce que je voudrais, c'est que mon montant TTC, il s'écrive en gras et en vert foncé sur jaune clair s'il dépasse 1000 euros, ce qui est le cas.
Bien sûr, il faut que ce soit, que ça se fasse automatiquement. Donc, pour faire cela, on va utiliser une mise en forme conditionnelle en disant que on va utiliser des règles de mise en forme de surveillance de la cellule. Si celle-ci est supérieure à 1000 euros, alors là, il me propose des mises en forme, hein, mais bien entendu, ce n'est pas celle que je veux. Donc, on va faire un format personnalisé. Je veux que ça s'écrive en gras, d'abord, et que ce soit en vert foncé. J'ai plus foncé que ça, d'ailleurs. Hop, on va mettre ici. Le tout sur un fond jaune clair. Donc, remplissage. Mettre ce jaune-là. Ou ce jaune-là. OK. OK. Donc, comme le montant est au-dessus de 1307, il s'écrit en orange. On va juste vérifier que ça marche. Si, au lieu de commander 20 trousses, je n'en avais commandé que 2, tout se modifie. Et là, on voit que la couleur disparaît. Je remets 20. Et la couleur réapparaît. Voilà ce qu'est la mise en forme conditionnelle. Ensuite, nous allons maintenant voir... comment on peut faire si jamais on a deux taux de TVA différents. Alors, pour faire cela, ça va compliquer un petit peu parce qu'on va imaginer des articles qui n'ont pas le même taux. Donc, du coup, je vais retourner dans ma table articles. Je vais rajouter ici un code TVA. Et on va imaginer que l'essentiel des produits sont assujettis à un code 2. Le code 1 correspondra à 5,5%, le code 2 correspondra à 20%. Donc généralement, on va mettre du 2 partout. Je vais tirer la poignée de recopie. Sauf quelques articles, pour une raison X ou Y, peu importe. Là, c'est juste pour qu'on voit ce cas de figure-là dans l'exercice. On va dire que certains articles très particuliers sont à 5,5%. C'est le cas du CR132, donc là on va mettre le code 1. C'est le cas du CR680, celui-là qui est en code 1. Et c'est le cas du PL159, 1. Du PL207, 1. Elle est encore 1. Du SO319. SO319, 1. J'essaie de faire une présentation à peu près correcte. Donc je remets ça en forme avec un quadrillage. Le quadrillage identique. Voilà. Donc pour chaque article, j'ai un code TVA associé. Du coup, ça va faire certaines. Ça va influer forcément dans la présentation de ma facture. Donc tout le haut ne change pas. Par contre, ici, le code TVA, il pourrait être de 1 ou il pourrait être de 2. Alors ici, je vais simplement mettre un code TVA. Donc, on va aller chercher le bon code TVA et appliquer le bon taux. Alors, pour cela, on va utiliser une fonction si, égale si, ouvrez la parenthèse, le code est égal à 1, alors on mettra 5,5%, sinon... c'est qu'il est égal à 20%. Mais ce 1 et ce 2, je vais le trouver grâce à une fonction recherche V. Donc on va peut-être déjà commencer par la fonction recherche V pour qu'il m'affiche le bon code TVA. Donc on va faire égal recherche V, ouvrez la parenthèse, cet article-là, point virgule, dans ce tableau de recherche, point virgule la 1, 2, 3, 4e colonne, point virgule correspondance exacte. Fermez la parenthèse. Là, l'ordinateur me renvoie, alors pas 200%, si je remets en standard, si je remets en standard, il me renvoie 2. Donc je sais là que le code est de 2. Donc si le code est de 2, ça veut dire que le taux de TVA est à 20%. Donc plutôt que d'écrire code TVA, il serait peut-être mieux d'avoir taux de TVA.
Et ici, on va mettre égal, mince, égal, si, ouvrez la parenthèse, recherche V1 est égal à 2, puisque c'est 2, alors 20%. Sinon, 5,5%. Fermez la parenthèse. Et là, on me renvoie 0,2. Si je le mets au format pourcentage, ça me met 20%. Attention, je ne peux pas tirer ma poignée de recopie parce que ma recherche V, elle se fait sur A19. Donc quand je descends, il faudra faire sur A20, donc c'est très bien. Mais par contre, mon tableau de recherche qui est ici, il est de A2 à D27 et ça ne doit pas bouger. Donc là, il faut bien le figer avec des dollars. Si je tire ma poignée de recopie, je devrais avoir des bons taux de TVA. Bien entendu, là j'ai encore mes NA. Donc tout ça, on va le remettre dans un SI. Donc là je remets un SI dans un SI. Alors, SI, ouvrez la parenthèse et vide de la cellule A19. J'ai mis A19, oui. Alors, guillemets, guillemets. Sinon, je fais mon calcul, je ferme la parenthèse. Alors, il n'a pas aimé, donc on va recommencer. OK. Non, c'est juste parce que j'ai oublié un guillemet, je pense. Est-ce que c'est ça? Non. Alors, là, c'est un petit peu compliqué. Il est plus simple de faire échappe et de recommencer. Égal. Si, ouvrez la parenthèse, et vide. De à 19, point virgule, guillemets, guillemets, point virgule, tout ça, fermez la parenthèse, on valide. Alors, il ne veut toujours pas, d'où vient l'erreur? Alors, ici, en fait, elle vient d'ici. Si recherche V. Donc là, on va remettre, j'avais oublié de fermer la parenthèse. On recommence. Si, ouvrez la parenthèse, et vide de à 19, fermez la parenthèse, point virgule, guillemets, guillemets, point virgule. On ferme la parenthèse au bout. On valide. Voilà, cette fois-ci, on a bien 20%. Je tire la poignée de recopie. Je n'ai que des articles à 20%, malheureusement. Et là, je n'ai rien. Alors, juste pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on va mettre du CR132 ici. CR132. Ce produit-là est à 5,5%. Il m'écrit 6%. Alors, ça, c'est parce qu'en fait, on n'autorise pas de chiffre après la virgule. Et donc, 5,5, c'est plus près de 6 que de 5. C'est pour ça qu'il arrondit à 6. Donc, j'ai juste rajouté deux chiffres après la virgule. Voilà. Et là, je suis bien à 5,50. En fait, j'aurais dû faire sur tout ça. On va mettre un troisième. On va en enlever un. Voilà, on est bien à deux chiffres après la virgule partout. Cette fois-ci, donc, on a le taux de remise qui va, le bon taux de remise qui va s'appliquer. Ensuite, on a besoin normalement de faire une ventilation entre ce qui est à 5,5 et ce qui est à 20%. Donc ici, on va écrire en ligne 41. Ventilation de TVA, ventilation TVA, base hors taxe, pourcentage de TVA à 5,5%. À côté, on va mettre le pourcentage de TVA à 20%. Le net à payer TTC. Alors ça, on va le fusionner. Tout ça, on va le centrer. On va faire un petit tableau pour faire une présentation un peu plus jolie.
Là, on va peut-être juste rajouter aussi un quadrillage là. Là, on va mettre aucune bordure. Et on va mettre un bordure extérieure seulement. Même chose ici. Aucune bordure, bordure extérieure. Et là, on va mettre pareil. Aucune bordure, bordure extérieure. Aucune bordure. Bordure extérieure. Voilà. Et là, ici, je vais mettre ma base hors taxe avec une ventilation de ce qui est à 5,5% et de ce qui est à 20% pour obtenir mon net à payer. Alors, ma base hors taxe, de toute façon, c'est très simple. Elle est ici. Mon net à payer TTC, c'est très simple. Il est ici. Maintenant, ce que je veux connaître, c'est le montant de TVA à 5,5%. En fait, là, plutôt que pourcent, ça serait mieux d'écrire montant. Même chose ici. Et en fait, ici, il va falloir aller chercher les montants de TVA à chaque fois que le taux est à 5,5%. Donc on a ici une ligne à 5,5%. Et même chose ici à chaque fois que le taux est à 20%. Alors en fait, on a une fonction qui s'appelle la fonction somme prod, somme.si, qui permet de dire je fais une somme si la valeur est de temps. Donc le montant de TVA, est-ce qu'on l'a affiché quelque part? On ne l'a affiché nulle part. Alors ça manque peut-être, hein, ce serait peut-être mieux de mettre quand même le montant de TVA. On va peut-être rajouter ici le montant de TVA. Hop, on va faire une mise en forme identique. On va augmenter un petit peu la taille. Et puis là, on va remettre un quadrillage. Ensuite, pour calculer le montant de TVA, ça va être relativement simple. On va simplement faire ici le prix unitaire hors taxe. Bon, on a le montant hors taxe multiplié par le taux de TVA. Le montant hors taxe multiplié par le taux de TVA. On va faire ça sur les lignes qui suivent. Bien entendu, il faut inclure ça dans un scie vide. Vous commencez à avoir l'habitude. Scie vide de la cellule A19, fermez la parenthèse, alors, guillemets, guillemets. Sinon, on fait le calcul, fermez la parenthèse. On va vérifier que ça marche. Voilà. Et maintenant, là, il faudrait changer, hein. Code TVA de 20%, code TVA 1, 5,5%. Ça, on va le mettre à droite. Il faut surtout remettre proprement. Et donc, on va aller chercher le montant de TVA à 5,5% uniquement. Pour faire cela, on va faire égal somme.si, ouvrez la parenthèse. On va aller voir si dans cette plage-là, il est écrit, soit j'écris 5,5%, soit c'est mieux d'écrire, d'aller chercher la valeur qui est ici. Il est écrit 5,5%. Donc je cherche dans cette plage, quand est-ce qu'il est écrit 5,5%, et quand je le trouve, je vais additionner la cellule qui se trouve dans cette plage-là. Je ferme la parenthèse, je valide,
Et là, il me trouve 25,98. 25,98. Je mets ça au format euro. 25,98, et bien à 5,5%. On va faire la même chose ici. Égal somme.si. Ouvrez la parenthèse. Alors, je me suis trompé parce que j'ai pris que les deux premières lignes. Il a fallu prendre les 20 lignes. Donc, on va le refaire pour celui-ci. Égal somme.si. Ouvrez la parenthèse. Donc, je recherche dans cette colonne-là. Quand est-ce qu'il est écrit 20%. Quand je le trouve, j'additionne le contenu de cette colonne. Fermez la parenthèse. Je vais le corriger ici. À la place de I19, I20, je vais mettre tout ça. Je crois qu'il ne l'a pas pris. On va recommencer, ça sera plus simple. Égal somme.si. Ouvrez la parenthèse. Donc je cherche dans tout ça. Quand est-ce qu'il est écrit 20%. Quand je le trouve, j'additionne le contenu de cette cellule, de cette colonne, de cette plage. Fermez la parenthèse, je valide. Donc là j'ai des euros, là j'ai des euros. Et donc si vous faites les additions, là normalement vous devriez trouver la même chose par sécurité. On va le faire parce qu'en fait c'est pas tout à fait ça. Ici il faudra rajouter les frais de port qui eux sont toujours à 20% de TVA. Et pour vérifier que ça marche, normalement, le net à payer TTC, c'est la base hors taxe plus le montant de TVA plus le montant de TVA à 20%. Là, on a encore une petite différence parce qu'en fait, la base hors taxe, on a oublié de rajouter les frais de port qui se trouvent ici. Alors, on va les rajouter. En fait, la base hors taxe, c'est pas le total hors taxe, c'est le net hors taxe plus les frais de port. 1441, 1116. Alors, on a encore un petit écart. Alors, bien entendu, il y a un petit écart à cause de ça. Parce qu'en fait, le total TVA, nous avions dit que c'était ça plus ça multiplié par 20%. Mais là, la TVA n'est plus forcément à 20%. Donc du coup, le total TVA, on va le supprimer là. Le total TVA, il est égal à ça plus... je fais une bêtise là. Il est égal au montant de TVA 5,5 plus le montant de TVA 20%. Et on se retrouve donc avec 1441,03. Cette fois-ci, ça fonctionne. Voilà, notre facture est à présent faite et elle va gérer quand même pas mal de choses puisqu'elle gère un fichier client, un fichier article avec des taux de TVA qui sont différents. Tout s'adapte, des frais de port éventuels qui peuvent différer suivant les codes métiers du montant acheté et des remises par article qui diffèrent en fonction des codes métiers et des familles de produits. Nous avons là une jolie facture.